Tu es un pronostiqueur dans l'âme, les sites de Paris te détestent tant tu enchaînes les bombettes. Tu avais vu venir la victoire de Dominic Thiem à l'US Open ainsi que celle de Daniil Medvedev aux ATP Finals. Pas de doute, la World Tennis League est faite pour toi où plus de 250 joueurs se défient chaque année. Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. La World Tennis League est le plus grand jeu de pronostics 100% tennis créé et géré par Games & Talk. Le concept est simple. Chaque semaine de compétition, tu choisis un tournoi ainsi qu'un joueur. Et à la fin, tu as inscrit autant de points que le joueur en a glané dans le tournoi choisi. Une seule contrainte, tu ne peux choisir ce joueur qu'une seule fois dans l'année. Par exemple, si en début 2021, pour le tournoi de Delray Beach, tu décides de choisir Novak Djokovic et qu'il gagne le tournoi, tu vas remporter 250 points, mais tu ne pourras plus sélectionner Djokovic durant le reste de l'année. À la fin de l'année, les 8 meilleurs sont qualifiés pour les ATP Finals et ils peuvent choisir un des 8 joueurs qualifiés pour le Masters, même si ce dernier a déjà été utilisé. Des cadeaux sont à gagner pour les meilleurs pronostiqueurs de la World Tennis League. Alors, qu'attends-tu pour t'inscrire ? Même les plus grands joueurs de ce sport valident le concept, que cela soit Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Andy Murray. Toujours pas convaincu ? Allons faire un tour sur notre site internet pour te montrer à quel point c'est simple. Quand tu arrives sur notre site internet, tu retrouves à droite nos dernières vidéos ainsi que nos tweets récents. Et à gauche, tu as un rappel des différentes règles évoquées de la World Tennis League et nos 4 sponsors que sont Tennis Legend, Big Breakers, Extreme Tennis et My Tennis Box qui chaque année mettent plusieurs lots en jeu, que cela soit des t-shirts, du cordage ou des coffrets. Pour t'inscrire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur « Je m'inscris », tu rentres ton email, ton pseudonyme ainsi qu'un mot de passe et tu valides. Tu vas recevoir soit dans ta boîte de réception ou dans tes spams un mail de validation. Tu devras cliquer dessus pour confirmer ton inscription. Ensuite, pour se connecter, on revient sur la page d'accueil. On clique sur « Je me connecte ». Tu rentres ton pseudo. Tu valides. Et là, tu arrives sur ton tableau de bord. Donc à gauche, tu as ton classement actuel. Donc ça, c'était le classement sur l'année 2020. Le nombre de tournois disputés et les points que tu as cumulés. À droite, tu vas retrouver les tournois du moment. Tu vas en sélectionner un, celui que tu souhaites. Et tu vas ainsi pouvoir choisir ton joueur. Donc par exemple, là, sachant que l'année est finie, si on prend un ancien tournoi, celui de Sofia 2020, tu arrives sur cette page quand tu sélectionnes le tournoi. À droite, tu as ton pronostic. Donc tu auras un menu déroulant avec la liste des joueurs qui participent au tournoi. Ceux apparaîtront en grisé seront ceux que tu auras déjà sélectionnés au cours de l'année. Donc tu sélectionnes ton joueur, tu valides et c'est bon, tu es inscrit pour ce tournoi. Ce qui fait que tu ne peux pas participer aux autres tournois se déroulant la même semaine. Si tu veux voir le tableau, tu cliques sur « Voir le tableau du tournoi ». Tout apparaît ici. Et tu peux également voir les statistiques sur les pronostics qui ont été faits sur ce tournoi. Par exemple, on voit que pour Sofia en 2020, c'était Félix Auger-Aliassime qui a été le plus choisi. Malheureusement, il a été éliminé en 8e de finale. Et c'était Sinner qui a gagné Sofia et seulement 4 l'avaient pris. Si tu veux surveiller un petit peu le parcours de tes concurrents, tu peux voir le classement. Donc le classement actuel qui met Laurent ici, le pseudo en question, les points et le nombre de tournois disputés. Donc si tu cliques sur un des participants, tu vas retrouver l'ensemble de ses statistiques, les tournois qu'il a fait, les différents joueurs qu'il a choisis pour savoir si justement il peut encore choisir tel ou tel joueur. Et enfin, si tu as un doute sur les différentes règles du jeu, notamment en ce qui concerne les forfaits, tu as un rappel ici dans l'onglet « Les règles ». Un seul lien à retenir pour s'inscrire, gamesandtalk.com. Alors, qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre et nous montrer tes talents de pronostiqueur ? Le jeu se déroule tout au long d'une année, ce qui fait que tu peux le rejoindre à n'importe quel moment. Bien évidemment, le plus tôt, c'est le mieux pour pouvoir engranger un maximum de points. Tu peux également parler à tes amis pour que vous puissiez vous défier tout au long de l'année. Bref, nous comptons sur toi et que le meilleur gagne.